Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Booktubing de Lire dans le 20e. Alors aujourd'hui ce sera un Booktubing confiné puisque je vous parle de chez moi. Donc il risque peut-être d'y avoir quelques petits soucis techniques ou de montage, veuillez m'en excuser par avance. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de Partie sans laisser d'adresse de Suzine Nielsen qui fait partie de la sélection Roseau du prix littéraire Lire dans le 20e de cette année. Alors, Partie sans laisser d'adresse, pourquoi c'est génial? Eh bien, déjà parce que c'est écrit par Suzine Nielsen, que j'aime d'amour. Je l'adore, cette autrice. Elle écrit des livres vraiment super chouettes. Toujours un peu dans la même veine, mais avec une plume qu'on ne peut qu'aimer. Enfin, selon moi, en toute objectivité. Par exemple, elle a écrit Les optimismes en premier, On est tous faits de molécules, ou Moi, Ambrose, roi du scrap. Donc peut-être que dans cette liste-là, vous en avez vu quelques-uns. Ce que j'adore chez Suzine Nielsen, c'est ses personnages. Elle a une manière d'écrire et de créer ses personnages assez uniques. Et tous ses personnages sont toujours un peu bizarres. Ils ont souvent des angoisses, des tocs, une histoire pas facile. Souvent, il y a assez de dureté en fait dans les histoires que raconte Suzine Nielsen. Mais elle arrive à rendre ça beau, très très humain. On s'attache immédiatement aux personnages. Et puis, vu qu'ils sont tous un peu bizarres et avec des fêlures, on peut aussi s'identifier pas mal à ces personnages. Je pense à une notamment, Pétula, dans Les optimismes en premier. À laquelle je me suis vraiment accrochée et que j'ai mis du temps à laisser partir. Donc ça, c'est le premier point fort du livre, c'est son autrice, tout simplement. Et donc du coup, ici, dans Partie sans laisser d'adresse, ce n'est pas une exception, parce qu'on s'attache aussi tout de suite à Félix. Félix, il a 12 ans un quart, il vit avec sa mère et sa gerbille Horatio. Alors, qu'est-ce qu'une gerbille? Je ne savais pas. C'est un petit rongeur très mignon. Voilà. Sa mère, Félix l'adore, sa mère, il l'adore, il l'aime, etc. Mais sa mère, elle a quelques soucis. Sa mère, elle est un peu instable, elle a plein de problèmes émotionnels, financiers, elle arrête pas de changer de boulot, elle n'arrive pas trop à en trouver. Mais ça va être de plus en plus dur car en fait, un été, sa mère va lui dire que pour un temps, ils vont vivre dans un van. Pour l'été, comme une sorte d'aventure, etc. Qui va au début paraître génial à Félix, parce que c'est un peu un camping amélioré dans ce combi Volkswagen. Mais en fait, au fur et à mesure, la situation va s'installer parce que la mère a de plus en plus de soucis. Et donc, en gros, Félix et sa mère vont vivre de manière presque définitive dans ce combi Volkswagen, avec plein de techniques pour essayer de s'en sortir, de rester propre, de ne pas montrer aux autres qu'il n'a pas de maison quand il va à l'école, etc. Voilà. Donc l'aventure, cette aventure en combi Volkswagen continue et s'installe. Et en parallèle, Félix, lui, essaye d'échapper aussi à la situation grâce à des amitiés qui se créent avec d'autres personnages. Alors, c'est ça aussi qui est bien dans les romans initiales, c'est que souvent les seconds personnages, par exemple les copains ou les copains que se font les héros, etc., sont aussi adorables et touchants que les personnages principaux. Il y a vraiment un travail sur tous les personnages de ces romans en général. Et donc là, il va retrouver un copain d'enfance, il va aussi s'échapper un peu de cette situation via un jeu télévisé de questions-réponses, dont il est très très fan, et auquel il va vouloir participer. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, pour résumer, vous l'aurez compris, ce livre est très émouvant. Comme d'habitude, on part effectivement d'une situation qui est loin d'être gaie, qui n'est pas facile pour le personnage principal, à laquelle on compatit énormément. Et en même temps, dans ce roman, l'autrice arrive à nous apporter du rire, de la joie, beaucoup d'humanité, beaucoup d'attachement. Bon, bien sûr, on pleure, mais bon, moi, j'aime bien pleurer quand je lis des livres. On pleure, on rit, voilà. Encore une fois, c'est tout ce que j'aime. Un bon cocktail. Et voilà, on a du mal à quitter Félix à la fin du livre, Astrid, sa mère aussi, on a du mal à la quitter. Mais on a vraiment du mal à les laisser derrière, comme souvent Suzine Nielsen arrive à nous coincer dans son ambiance de roman, dans ce qu'elle veut nous raconter, et à nous toucher en plein cœur. Donc voilà, et je vous conseille ce livre qui est à mettre entre toutes les mains, dès 10-12 ans je dirais, pour des bons lecteurs quand même, parce que c'est...
pour un âge quand même où on peut comprendre ses problématiques. Voilà. Donc 10-12 ans à peu près. Voilà, donc c'est dans la sélection Roseau du Prix et je vais vous quitter en vous lisant un petit passage, si j'y arrive, de ce livre. Donc c'est quand Félix retrouve son ami d'enfance Dylan, qu'il avait, qui, voilà, qui retrouve à un moment du livre. Donc je vous lis un extrait. Je suis allée chez Dylan le lendemain après les cours, même si j'étais crevée. Après que nous avions dégoté un nouvel endroit où garer le combi, j'avais mis très longtemps à m'apaiser. J'avais dû me réciter toute la liste des États des États-Unis, de l'Alabama au Wyoming. Plus tout le tableau périodique des éléments, avant de m'endormir enfin. J'étais quand même fou de joie en allant à pied chez lui, à 5 rues du collège. Cela faisait longtemps, mais alors vraiment très longtemps que je n'étais pas allée chez un copain, vu que dans mes deux dernières écoles, il m'avait manqué l'ingrédient principal pour cela, à savoir des copains. La maison des Birkenhoff était exactement telle que dans mon souvenir. Le porche en bois avait encore l'air plus affaissé. La peinture jaune fluo s'écaillait, la pelouse était brune et pelée. Des vieux jouets d'enfants traînaient dans le jardin. Alors que Dylan, le petit dernier, n'avait pas joué avec depuis des années. À l'intérieur, on voyait à peine le plancher tant il était jonché de chaussures, de chaussettes, de pulls et de livres. Les moutons de poussière étaient plus gros qu'Horatio. Dans la cuisine, la pile de vaisselle dans l'évier était identique à celle qui s'y trouvait des années plus tôt. Mes chaussettes collaient légèrement au sol, comme avant. C'était merveilleux, tellement plein de vie. Un énorme charroux est arrivé, tranquillement, et s'est frotté contre les jambes de Dylan. « Lui, c'est Craig, m'a-t-il dit, en le prenant dans ses bras. Il a 2 ans, on l'a eu l'an dernier. Il m'a tendu le chat, et je l'ai pris. Craig a ronronné joyeusement contre moi. « Oula, il doit peser bien 10 kilos !»« 11 !» Alberta, une des grandes sœurs de Dylan, est arrivée à son tour. Elle non plus n'avait pas changé, avec ses longs cheveux châtains, son strabisme et son exceptionnelle collection de t-shirts. Celui qu'elle portait disait « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, sauf les ours. Les ours, ça tue à tous les coups. Oh, comme c'est mignon! Dylan s'est déjà fait un petit copain. Elle a pris du lait dans le frigo et a bu directement dans la brique. Attends une seconde, je reconnaîtrais ces tifs n'importe où. Tu es le blaireau bionique? J'ai rougi, juste un peu. Eh oui, c'est bien moi, mais je préfère qu'on m'appelle Félix. Je me rappelle quand vous couriez partout dans vos pyjamas Toy Story avec vos Lego bioniques, en faisant des bruits de laser. Piou piou piou! Son rire n'avait pas changé non plus. Vous étiez adorable, complètement naze. Elle nous a toisé tous les deux de la tête aux pieds. Je vois que certaines choses ne changent pas. Sur ce, elle nous a versé des verres de lait de la brique dans laquelle elle venait de boire. J'étais au paradis. Vous connaissez ce sentiment de comprendre à quel point quelque chose vous a manqué au moment où vous le retrouvez? C'était l'effet que cela me faisait d'avoir à nouveau un ami. Imaginez que vous avez vu flou pendant longtemps et que quelqu'un vous donne une paire de lunettes. Alors vous regardez le monde autour de vous et vous dites « Waouh !» C'est donc ça, tout ce que j'ai raté? Et voilà, je vous laisse sur cet extrait qui j'espère vous aura mis l'eau à la bouche. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre sélectionné pour le prix littéraire dans le 20e de cette année. Parti sans laisser d'adresse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.